compris ce qui était amusant. Alors j'espère que vous aussi, vous allez comprendre ce qui est amusant. Il faut remercier Aurore qui est venue prêter main forte parce qu'il y a une petite fille qui n'a pas pu venir. Merci Aurore. Ce fut d'accommoder de leur personne. Quelle galanterie! Ils ont directement parlé mariage.
En effet, mes cousines donnent dans le vrai de la chose. Comment pourrait-on s'intéresser à des gens tout à fait incapables de galanterie? Je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte du temple et que billets doux, petits soins, billets galants et jolis verts sont des terres inconnues pour eux. Ils n'ont point l'air qu'il faut. Ils n'ont point de plume à leur chapeau, point de perruque à bouclettes, point de ruban à leurs habits. Leurs vestes sont trop courtes pour être à la mode et leur haut de chausses pas assez large. Quant à leurs souliers, ils ne sont pas de la bonne maison. Je pense qu'ils sont folles toutes trois. On ne se marie pas avec des perruques à bouclettes. Écoutez-moi bien. Ces messieurs, je connais leur famille, leur bien, et je veux résolument que vous disposiez à les épouser. Sans plume et sans ruban. Si vous aimions bien et soyez fidèles, vous pourrez faire l'économie des plumes et des rubans, mardi. Sans habiller à la dernière mode. Et donc, un beau mari sert d'abord à faire de beaux enfants et se juste sans ses habits. Ah, mon oncle, je trouve le mariage tout à fait choquant. Souffrez que nous sortions dans le beau monde de Paris, nous ne faisons que d'arriver. Avant que de les marier. Elles sont folles alliées. Je n'entends rien à ces balivernes. Je veux être le maître absolu. Je vous le dis, ou vous serez mariée avant que soit peu, ou vous serez religieuse, j'en fais un bon serment. Ah, mon Dieu, ma chère, que ton père est terre à terre. Que son intelligente et baisse, qui fait sombre dans son âme. J'en ai honte pour lui. J'ai peine à croire que je puisse être véritablement sa fille. Et je crois que quelques aventures, un jour, me viendra révéler une essence plus illustre. Je le croirais bien, oui, il y a toutes les apparences. Et pour moi, quand je me regarde ici... Voilà un accueil qui demande si vous êtes au logis et dit que son maître veut vous venir le voir. Apprenez, certes, à vous énoncer moins bien. Dites, voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en proposité d'être visible. Dame, je ne tombe moins le latin. Et je n'ai pas appris comme vous à jouer aux cartes de monsieur Tendron. Non, tête, non. Vite, ajustons un peu nos cheveux. Parole. Qui est-il? Et qui est-il, le maître de ce laquais? Il me l'a nommé le marquis de Mascarene. Ah, ma chère, un marquis. C'est sans doute un bel esprit qui aura ouï parler de vous. Vite, allez dire qu'on nous peut voir. Vite, ajustons un peu nos cheveux. Parole, tentez-vous le conseiller des grâces. Par ma foi, je ne sais point quel but c'est là. Il faut parler chrétien si vous voulez que je vous entende. Apportez-nous le miroir ignorante que vous êtes. Et gardez-vous bien d'en servir la glace par le reflet de votre image. Voilà, porteur. Voilà. Je pense que ces marauds-là ont dessein de me briser à force de heurter contre les murailles. Vous auriez voulu aussi que nous soyons entrés jusqu'ici? Je le crois bien, oui. Voudriez-vous,